c'est étant possible. Nous sommes dimanche 28 mai, il est... Il est 10h45. 46. Et là, on sort de l'église. Aujourd'hui, on a fini tôt. Hein. Mm-hmm. On sent que le pasteur n'est pas là, il n'est pas là. Comment, chérie? Et qu'est-ce qu'il y a en octobre? Qu'est-ce qu'il y a en octobre? Pourquoi tu t'arrêtes à octobre? Oui, et c'est la fin de l'année. Et décembre, c'est? En décembre, qu'est-ce qu'il y a en décembre? Oui, qu'est-ce qu'on fait en décembre? Comment? C'est l'anniversaire de qui en décembre? De qui? Oui, et de qui d'autre? Non. Oui. Et en décembre, il y a aussi quelle fête? La fête de maman? Non, non, non. En décembre, la fête où on donne les jouets aux enfants. La fête de Noël? Oui. Bref, on est encore en mai. On parle déjà de décembre. Donc là, on sort de l'église et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est aller encore. Là, on va encore acheter des choses que le plombier a demandé pour installer la machine à laver et l'évier de cuisine, c'est ça, non? Oui. Donc voilà, hier il n'a pas pu terminer, mais hier il a terminé tard. On sentait quand même que hier il avait envie de terminer. Hein. Il voulait tout faire pour terminer, mais il était fatigué. Le meuble de Ruben là, qui lui a pris du temps. C'est ça. J'espère qu'il ne va pas nous demander cher pour. Il n'a pas demandé. Il a dit qu'on lui donne seulement ce qu'on même estimé. Tu prévois combien? Non, je ne veux pas regarder. Ah, maman, on passe quelque part où on vend. Vous voyez? Je pense que vous n'avez pas bien vu. On vend le boa. Le boa. Regardez là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Un boa. Tout entier. Un boa entier. Des choses qui me donnent la chair de poule. Tu veux ça? La gaufre? Non, tu vas pas donner la gaufre, mon cher. Non, il me demande si j'en veux la gaufre. Hein? Si moi j'en veux. Non, mon chéri, moi je n'en veux pas. C'est toi et papa qui ont mangé. Merci, c'est gentil, mon fils. Donc, le plombier a demandé encore à acheter des choses. C'est ce qu'on va acheter. Hier, il a terminé. Il était 19h passé. Ah bon? Oui. Parce que moi, quand je suis allée faire la cuisine, il était 19h05. Oh, vous étiez encore là-bas quand j'ai commencé la cuisine. Il y a beaucoup de nids de poules sur cette voie. Ah! Tout le temps avant, le quartier de Jata était bien, mais... Beaucoup de trous. Donc, il va revenir demain. C'est vrai que demain, il commence un nouveau chantier quelque part, mais l'après-midi, il viendra quand même terminer chez nous. Et puis voilà. Donc là, on va au marché acheter un tuyau pour le siphon. C'est ça, non? Siphon, le truc, l'ensemble là, non? On va prendre ça. Ou bien comment on fait? Mamadou va changer son truc. Que j'appelle. Hein, pour voir s'il va changer. Voilà. Il va nous le changer. Il va nous le dire. Maintenant, s'il n'en a pas, ben, nous, on est obligé d'acheter. Donc tu vas l'appeler là tu vas l'appeler, ouais. Bon, écoutez, je vous reprends tout à l'heure. On va au marché et ensuite on va à la maison. Le programme d'aujourd'hui, c'est surfaceur sur les fenêtres d'air et le vernis, c'est ça, non? Et mettre le vernis. Si on peut terminer tôt, puisque j'ai pas la cuisine à faire, on va essayer de coller les planches de la cuisine et peut-être mettre aussi la peinture à la cuisine. Non, de l'autre côté là. Les planches sol là. Le mur des autres côtés là. Mmh. Oui, le planche. Quelle peinture? J'avais dit la peinture à huile, non? Non. Ok, donc on va ouvrir les pots de l'autre. Ah oui, dans nos pots.
Donc voilà, le programme d'aujourd'hui, c'est on a quand même beaucoup de choses à faire puisqu'on doit monsieur reprend bientôt. Donc j'aurais été avec son gris. Hein. L'intérieur là. Oui. Ah, donc on prend le gris qu'il a laissé là et puis on met à l'intérieur. Pizza. Donc on met seulement la peinture à eau. D'accord. Bah, moi j'ai aidé ma maman à le faire. D'accord. Tu vas me montrer comment faire la pizza. Mais pour préparer la pizza, il faut qu'on achète d'abord le four. Quand tu seras en vacances, on aura le four. D'accord? Oui. Okay. Il faut faire une grande pâte. Lui, c'est la recette. Même si là, on n'a pas l'argent, l'argent est au ciel, oui. Et Dieu va nous bénir. D'accord? Oui, vous dites que... Et Dieu va accepter notre prière et il va nous donner beaucoup d'argent. Bon, écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Ma main est fatiguée. Plus d'argent que là. Bon, nous sommes rentrés de l'église. 12h30. Nous sommes rentrés de l'église. On est rentrés de chez le plombier. Je vais vous montrer ce qui a été fait hier. Apparemment, j'aurais des voisins très bruyants. Parce que là, ils ont mis la musique à fond, mais à fond. C'est comme s'il y avait une fête. Il va falloir que je m'habitue déjà à ça. Bref, je n'ai pas parlé à cause de la musique en fait qu'il y avait. Donc, à la salle d'eau, on a installé la salle d'eau de Ruben. La salle d'eau. La douche. On a installé. Est-ce que vous me voyez la douche? Le lavabo, on a adapté un meuble, mais mon mari va modifier le reste du meuble. Les voisins de l'autre côté sont très bruyants. Hein? Où? Derrière. Je ne sais pas si c'est derrière ou si c'est l'autre parcelle. Là où on salue le jeune. Non. La moitié du... Voilà. Ils ont... Là où papa disait, je pense aussi qu'il faudra que... En France, hein, on devrait mettre... C'est sensible là-bas. Hein? C'est des jeunes. Et puis là-bas, tu vois, c'est un coin où il n'y a que des pics sur peut-être une distance comme ça. On a les barbelés là, non? Oui, on a. Donc c'est seulement faire les fers là. Commander les fers là. Comme là-bas, il n'y a pas beaucoup de fers. Non, il n'y a pas. Il n'y a que deux fers à faire. Deux fers. Il n'y a que deux coins à faire. Donc. Ça, on va le faire. On va demander au truc de nous le faire. Ok. On fait d'abord. Plus de gens. Bref, donc je disais, la douche de Ruben, malheureusement, on s'est rendu compte que le pommeau est cassé. Est-ce que quand on l'avait acheté, il savait que c'était cassé? Maman, pardon. C'est pas grave, mon fils, d'accord? Oui. T'es tout beau, mon garçon. Mon garçon à moi est beau. Tu voulais avoir un téléphone? Oui. Mais les enfants n'ont pas droit au téléphone. Oui. Allez, va te changer, cher. Viens que j'ouvre le pommeau. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, on va changer le pommeau de douche de Ruben. On va acheter un pommeau de douche. Son meuble, mon mari va adapter les tiroirs. Puisque c'est juste un meuble qu'on a adapté. Et puis quoi d'autre? Chez nous, vous avez vu la barre de trucs de serviettes. Là, c'est très haut. Bien. C'est très haut. C'est bien placé, mais c'est très, très haut. Mais c'est très bien comme ça. Pourquoi? Toi, ta taille ne permet pas d'attraper la serviette. Pourquoi tu parles de ma taille?
Est-ce que là c'est une histoire de taille ou c'est juste une histoire de trop haut? Bref, écoutez. Donc là, mon mari va préparer le petit déjeuner. On va manger et puis go travailler parce que. Même Dieu s'était reposé. Nous, on va se reposer. Nous, on se repose la nuit quand on dort. On va se reposer quand on sera dans la nouvelle maison. Je sais pas si on pourra se reposer. Les premières semaines, on va même pas se reposer. Mais on pourra mieux se reposer en fait quand on sera dans la nouvelle maison. Chérie, tu n'as pas appelé l'électricien. Tu as pris le téléphone? Mon téléphone. Tu n'as pas appelé l'électricien. C'est sûr que l'oncle n'est pas venu. Okay. Je suis allée regarder derrière. Par la fenêtre, hein. Aussi. Peut-être qu'il avait quelque chose à faire pour le chien. Et papa. Ça, c'est la fatigue. C'est quand même mieux de faire ça le matin. Parce qu'à l'intérieur, ça chauffe. Surtout que c'est. Entendons-nous, normalement, il faut laisser sortir les gaz. On doit nettoyer aussi tout ce qui est. C'est puiseur et fosse septique, non? Puiseur et fosse septique. On doit nettoyer puiseur. Et ce qui est devant là aussi? Ouais, avec la cuisine. Là, lui, il ne reçoit que la cuisine. D'accord. C'est plus les douches, quoi. C'est juste pour. Les toilettes et les douches. Donc les gens se disent qu'on va beaucoup aux toilettes et on va plus aux toilettes à la douche. Non, parce que là c'est une nouvelle construction. Ah, donc les nouvelles constructions. Il y a eu des infiltrations certainement, des infiltrations d'eau et de terre. Ah, d'accord. Donc il faut sortir la terre. Donc voilà un peu. Donc il faut. Mon mari va appeler l'électricien pour qu'il vienne faire tout ce qu'il lui reste à faire. Fil, câble, antenne télé, mettre les ampoules qui restaient, et puis au niveau de notre salle de bain, l'ampoule qui est au-dessus du miroir, il avait mise trop bas, donc il va remonter un peu les fils pour que mon mari puisse mettre le miroir. Bref. Ah, merci chérie, c'était tout sombre, je savais pas pourquoi c'était tout sombre. Merci pour la lumière, c'est gentil mon fils. Oh, t'es un amour mon fils. C'était sombre. Oui, c'était sombre. Oui, et tu ne voyais pas encore? Non, je voyais pas bien. Mon bébé d'amour. Ma maman d'amour. Vous êtes tellement champion. Ta maman. Oh. Bon, écoutez. J'aime trop le meuble qui est derrière, là. C'est là où je vais ranger les vêtements de Ruben. Les vêtements de Ruben. Ruben n'a plus beaucoup de vêtements parce qu'il a grandi, il a fait un saut comme ça, un bond. Et beaucoup de ses vêtements ne lui vont plus. Un saut? Tu as grandi très vite. Oui. Regarde, un truc que je peux faire. Écoutez, là, je vais aller faire le montage de la vidéo. Je vais le montrer. Oui. Waouh, Ruben saute très haut. J'allais me changer, commencer le montage pendant que mon mari prépare le petit déjeuner. Le montage de la vidéo. On recommande que la vidéo d'aujourd'hui est déjà en ligne. Comme ça, je termine le montage et puis go travailler. Et voilà. Ouais. Je vous emmène pour cette nouvelle journée. On a terminé de mettre le surfaceur sur toutes les fenêtres. Là, on va les mettre. J'ai pris mon téléphone. Ah non, il est à table. On le laisse au manger, mais il a sonné. Ben, Ruben va nous appeler. Il est 16h07, donc ça nous a pris à peu près un peu plus d'une heure. 1h15 par là pour mettre le surfaceur. Et là, on va mettre le vernis sur toutes les fenêtres. Et ensuite, on espère avoir encore un peu de temps pour poncer au moins une porte. Deux portes seraient mieux. On va les poncer seulement là-bas. On les pense seulement là-bas. Tu as réfléchi, on les pense seulement là-bas. C'est lourd. Ouais, c'est vraiment lourd à enlever. On pense si on peut. Si on peut. Comment, chérie? Oui, bébé. Comment? Comment? Tu la retrouves pas?
Mais où est-ce que tu l'as mise, chérie? C'est pas grave, joue seulement avec les autres voitures, d'accord? D'accord? Joue d'abord avec les autres voitures, d'accord? D'accord, chérie? Ok, c'est bien. Il cherche à voir sa voiture de Robin. Il y a une voiture Robin. Donc, là, on va mettre le... Oh, wow, il y a beaucoup de fenêtres. Voilà toutes les fenêtres. C'est pas fini jusqu'ici. Heureusement qu'on a de l'espace par ici. C'est bon? On y va? Bon, écoutez, on met le vernis et puis je vous reprends tout à l'heure. Et on va faire un avant pour voir s'il y a une différence. A été colossal. On pensait pouvoir faire les portes aussi, mais bon, sincèrement, ça nous a pris 4 heures. Ben oui, il est 18h44. 4 heures. Le rendu, ça va? Le rendu, ça va? Oui. Ouais. Et puis les portes, en fait, seulement comme on a dit, juste. Surfaceur. Les portes intérieures sont bien juste surfaceur. On pense bien de sorte d'enlever vraiment la peinture qui est tombée dessus. Et on met bien juste surfaceur. Et non, la porte principale, on met surfaceur et vernis. Ah, ça a été dur. Ça a été dur. C'est comme si c'était terminé. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Non, le plus dur, non, ce qu'on doit faire avant que monsieur ne reprenne le travail, c'est la cuisine aussi. Finaliser la cuisine. Poser les portes. Mais poser les portes et mettre la peinture juste à l'intérieur, ça prend pas du temps normalement. Hein. Ah, il faut que tu appelles l'électricien aussi ce soir. Faut qu'on peigne aussi. Les portes de. Les portes. Ah oui, 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 les portes. Donc ça, faudrait qu'on fasse ça demain. Pour que ça puisse avoir le temps de sécher. C'est ça. Surtout si la peinture a pris le temps de mettre. Ça prend du temps pour sécher. En quelques heures, ça peut sécher. Hein? Non, un jour. Donc, c'est mieux qu'on le fasse demain. Demain, comme ça, ça va toute la journée pour bien sécher. Voilà, et puis mardi, comme ça, mardi, le plombier est déjà passé. Nous, on peut on poser nos. Écoutez. C'est là où ça. Ah, c'est le diluant. C'est le deuxième. Le deuxième. Ça, c'est le deuxième. C'est ce qu'on a écrit chez l'autre. Wow, wow. Donc il faut acheter du diluant. Une boîte de diluant. 3 000 francs.
Les portes, le surfaceur, quoi. Il faut qu'on achète ça demain. Tu vas l'appeler, tu vas lui dire qu'on a besoin de 10 livres. Tu vas l'appeler, tu vas lui dire qu'on a besoin de 10 livres. Bon, écoutez, je pense que je vais clôturer le vlog d'aujourd'hui ici parce qu'on n'a plus grand chose à faire. On a terminé les travaux d'aujourd'hui. On va laisser sécher et on va les poser seulement peut-être mardi ou mercredi. Mercredi peut-être. Le dernier jour. On va les poser mercredi. Là, réchauffer la nourriture. Go réchauffer la nourriture. Frire la banane. Manger. Il est dormi. Recueillir quoi? Tu viens nous attendre aussi pourquoi? Tu as quel problème? Là-bas, il n'y a plus assez de place. Oh! Vous ne me voyez plus. Je suis toujours là. Allons-y, allons-y. Rookie, avance, avance. Ah, ce chat. Bon, écoutez, je vais clôturer le vlog ici. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube. Nous, on vous retrouve très bientôt, baisse de tension, pour une nouvelle vidéo. Baisse de tension, tous les soirs, c'est comme ça. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien et enjoy your life. Bye bye.